Je viens d'aller récupérer mon jeu Call of Duty. Attends, attendez. Sur PS5, j'ai entendu que du bon sur ce jeu actuellement. J'entends que du bon. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille l'acheter. Il faut absolument que j'aille l'acheter parce que franchement, j'ai envie de me faire quoi. J'ai envie de me faire le mode campagne apparemment. Ça fait un moment que j'étais déçu par le mode campagne des Call of Duty. Celui-ci en tout cas, j'ai vu les graphismes et tout, je dis waouh la vache. Là on commence à rentrer dans le next gen. J'espère pas me tromper, il y en a qui m'ont dit Jaurès, il faut avoir une bonne télé. J'ai un petit peu une bonne télé, mais je pense que je vais voir. Hein. Je vais voir sincèrement, mais ça va être du lourd. Sincèrement, ça va être du lourd. Apparemment, on raconte qu'il n'y a plus le mode zombie. Il n'y a plus le mode zombie dans ce nouveau Call of. Mais j'ai envie de voir le côté multi aussi. Le côté multi, je ne sais pas comment ça va, ce que ça va donner. Mais j'espère que ça va donner quand même quelque chose de bien. Donc voilà. Parce que cette année, là, début d'année, on n'a pas eu beaucoup de jeux. On arrive à la fin. C'est toujours comme ça, à la fin de l'année, ils nous balancent tous les jeux dans la gueule. Il y a le God of War que j'ai été précommandé. Donc lui aussi, j'ai envie de me le faire. Donc j'ai envie de charbonner ce jeu à fond déjà. Après, le God of War qui va arriver derrière, à mon avis, ça sera une tuerie. Hein. Ça sera une tuerie et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Que ça soit Call of Duty et God of War, j'ai quasiment pas vu de gameplay, etc. Je veux vraiment me laisser découvrir le jeu par moi-même. Ne pas me laisser spoiler par des petites images à gauche à droite. Apparemment, j'ai vu que sur God of War, il y a des leaks sur des images du jeu, quoi. Donc, ne squattez pas trop sur les réseaux. Hein. Vous risquez de vous faire spoiler par le scénario. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire. Hein, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu. Pour les gens qui ont commencé à jouer à ce jeu, que ce soit mode solo, multijoueur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment de savoir si le jeu est si bon que ça ou il est surcoté. Il y en a qui m'ont dit que le jeu est surcoté. Il y en a qui m'ont dit que le jeu était hyper bien fait. Hein. Ça fait partie des meilleurs Call of Duty. Donc ça veut dire qu'ils ont mis la patate. Ils ont mis la patate sur le jeu. Donc je suis vraiment content par rapport à ça. Donc j'avais dit que je n'irai plus à Micromania parce que ce jeu-là, je l'ai appris chez Micromania. Il me reste encore un petit bon d'achat. Donc je me suis dit, je vais m'en servir, je vais y aller jusqu'au bout. Donc je l'ai pris. Donc voilà, hein, mon petit bon d'achat qui me restait. Ça m'a permis d'aller acheter Call of Duty. Et je suis désolé pour les gens qui aimeraient que je revienne plus souvent sur le game. Mais comme je vous l'ai dit, je suis dans une année d'incertitude. J'ai pas de réseau, je peux pas faire ce que je veux en termes de vidéos parce que voilà, je suis le réseau me manque, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Donc là, je suis en ville. Je suis obligé de vous faire la vidéo ici pour pouvoir la poster le plus vite possible. Parce que où est-ce que j'habite? Pourtant, j'habite à Valenciennes, au centre-ville. Mais le coin auquel je suis, j'ai pas de réseau. Donc les vidéos que je poste mettent des fois 24 heures pour qu'elles soient postées. Ce n'est pas de ma faute. Je fais avec les moyens du bord. Donc je fais avec ce que je peux. Mais merci en tout cas pour les gens qui continuent à me suivre sur les réseaux. Parce que là-bas, je donne un petit peu de news, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Hein. C'est très important. Call of Duty, dès que je vais rentrer. D'ailleurs, je ne sais pas combien il pèse. Apparemment, il pèse lourd. Hein. 50 gigas, je pense. Hein. Mais God of War, je pense qu'il va peser, j'ai entendu, entre 90 gigas. Donc faites de la place pour les gens qui n'ont pas acheté un disque dur externe. Non, un disque dur, enfin, vous voyez quoi, le SSD là. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que j'estime que 500 balles, c'est chaud déjà pour une console. Alors, commencer à acheter des disques durs à 150 balles, etc. Ça va deux minutes. Hein. Je ne suis pas une vache à aller, je ne suis pas la Banque de France. Donc, je vais m'adapter. Donc, je vais désinstaller un ou deux jeux. Et puis, je vais jouer à Call of Duty. Et puis, derrière, je vais jouer à God of War. C'est les seuls jeux que j'attends vraiment pour cette fin d'année. Donc, on a déjà le Call of Duty là et God of War. Il y a eu le jeu Black Intel là, j'ai voulu le jouer. Mais je sais pas, ce genre de jeu
me plaît pas plus que ça, quoi. Ce genre de jeu ne me plaît pas plus que ça. Pourtant, c'est fait par des Français, hein. Sincèrement, c'est bien. Graphiquement, j'ai vu que c'était beau, c'était classe. Mais je sens côté histoire avec les souris, etc. Je sais que ça va pas me plaire. J'ai voulu jouer au premier. J'ai trouvé que c'était un peu mou. Celui-ci, on m'a dit, on raconte qu'il est un petit peu mieux, un peu plus punch, tu vois, il est un peu plus frais, quoi. Donc on verra bien, hein. Peut-être un jour quand le jeu va baisser, je vais peut-être l'acheter sur PlayStation 5, mais pour le moment, voilà quoi. Les temps sont durs, on n'a plus trop d'argent, donc on va se concentrer plutôt dans des jeux essentiels qu'on a vraiment besoin. Hein. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, hein. Prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Parce que quand je vais revenir, on va frapper fort. Je ne sais pas encore quand, mais on va frapper fort. Merci pour les fidèles. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vous laisse là et bonne game. Je vous tiendrai au courant par rapport à ma partie. Je vous le dirai parce que vous me connaissez. Hein. Moi, je ne gagne pas d'argent sur les Call of Duty. Donc, je n'ai pas d'intérêt à vous mentir comparé à des gros youtubeurs, voilà, où ils peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des partenariats, etc. Allez, prenez soin de vous. Je vous laisse là. Ciao, ciao.